the groove and sets me free now. Un amore così tu te lo sognavi, non l'avresti mai creduto, ma lei adesso è qui. Siete insieme allora, dalle tutto quel che vuoi. Jérôme rêve de créer des robots innovants. Et vu qu'il aime sa région, il préférerait créer sa start-up là où il a grandi. En préparant son projet, il a appris l'existence d'un espace dédié à l'innovation, idéalement situé en centre-ville à quelques kilomètres de chez lui. C'est le Village Baïséa, initiative du Crédit Agricole et de grands partenaires qui soutiennent localement l'innovation et stimulent le dynamisme économique des régions. En s'installant au village, Jérôme bénéficie d'un espace moderne offrant une connectivité exceptionnelle. Tous les villages des régions sont reliés entre eux. Ils hébergent des start-up, des PME et des grands groupes. Toutes ces entreprises créent un dynamisme qui permet à chacun de réussir sa transformation dans un monde en mutation et aux start-up de grandir plus vite en étant bien enracinés localement et bien irrigués. Jérôme rencontre Isabelle et ils décident de s'associer. Ils vont ensuite à New York rencontrer des distributeurs potentiels. C'est le village de New York qui leur a organisé leur rendez-vous. Car la fortune sourit aux audacieux. Tous les villageois bénéficient, un peu partout dans le monde, de bureaux, d'accompagnement et d'expertise. Sur la place du village règne une ambiance chaleureuse et productive. Autour d'un café, lors des séminaires ou des conférences, où des spécialistes viennent partager leur expertise régulièrement, les entrepreneurs et leurs partenaires inventent le monde et l'économie de demain. Isabelle et Jérôme ont ainsi développé leur entreprise et ont réussi à créer 15 nouveaux emplois dans leur région en 18 mois. L'effet réseau joue à plein. Tout le monde y gagne, petits et grands. Quant à l'économie locale, la voilà renforcée par cette touche de French Tech tournée vers la coopération et l'expansion. Alors renseignez-vous et découvrez vite quel village Baïséa rayonne dans votre région.
Comme chaque dimanche, notre séquence L'Afrique en marche. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune homme qui refuse la fatalité, qui a décidé de venir à bout de la fracture numérique en Côte d'Ivoire. Gyako Aubin Akwaba, bienvenue. Merci sur le plateau de TV5Monde. Alors, vous êtes le fondateur, cofondateur et président du Baby Lab. Le Baby Lab, c'est ce qu'on appelle une Fab Lab, autrement dit en français dans le texte, un atelier de fabrication numérique installé à Abobo. C'est l'un des quartiers pauvres d'Abidjan. Pourquoi avoir choisi Abobo ? Exactement. Abobo est l'un des quartiers les plus populaires de la ville d'Abidjan, où la plupart des habitants n'ont pas accès au numérique et puis n'ont pas culture de l'innovation sociale ou l'entrepreneuriat social. Donc nous avons choisi Abobo pour pouvoir reconvertir les mentalités et puis diriger les jeunes vers l'initiative sociale pour qu'ils puissent se prendre en compte à travers le numérique. Alors il faut savoir que Baby, c'est le surnom de cette très jolie ville qui est Abidjan, et que en fait dans toute la Côte d'Ivoire, seuls 10% des Ivoiriens ont accès à Internet. Exactement. Baby Lab, effectivement, c'est le surnom de la ville d'Abidjan. Le pourcentage que vous venez de citer, par exemple, nous faisons de cela un défi en vue de réduire la fracture numérique et puis rapprocher l'information et la formation numérique auprès des populations. Nous prenons un modèle de développement qui part aussi des quartiers populaires où on peut aussi trouver de l'innovation, faciliter l'accès et puis réduire les disparités entre les populations. Et alors, pour réduire la fracture numérique, vous avez décidé de créer un lieu, un espace ouvert à tous, où en fait, les passionnés peuvent fabriquer leur propre ordinateur, mais aussi concevoir leur propre logiciel. Voilà, exactement. Nous faisons des appels auprès des entreprises, des institutions, des particuliers. Nous collectons des ordinateurs destinés, en guillemets, à la poubelle, que nous recyclons dans des bidons de 20 litres qui font office d'unité centrale. Donc ces ordinateurs sont utilisés pour former les enfants au code informatique. Ouais. Ainsi, justement, là, on les voit hein, justement en image, ces bidons jaunes dans lesquels on fabrique, on redonne une deuxième vie hein, à ces ordinateurs. Exactement. Il faut aussi dire qu'avec l'avènement du réchauffement climatique, nous orientons nos actions vers le recyclage, la revalorisation de tout ce qui est déchet autour de nous. D'où le recyclage des déchets informatiques pour protéger l'environnement et faire des problèmes liés au réchauffement climatique une idée d'entreprise. Et l'idée, c'est aussi pour les passionnés hein, qui viennent travailler le week-end, travailler dans ce laboratoire le week-end, de mettre en place un logiciel libre. Vous avez notamment réussi à concevoir une carte avec les zones insalubres. Exactement. Au fait, nous faisons la promotion d'un projet d'impression 3D qui est le recyclage des déchets plastiques en filament pour faire de l'impression 3D. Donc dans notre démarche, nous nous sommes donné pour mission d'identifier des zones susceptibles d'être des lieux de pollution où nous pouvons trouver des déchets plastiques pour pouvoir en faire du recyclage. Donc c'est une cartographie libre OpenStreetMap que nous avons que nous utilisons pour pouvoir identifier ces différents lieux de pollution. Alors, ce Baby Lab, vous l'avez créé en 2014 avec 7 autres amis informaticiens. Ouais. Quels sont les moyens dont vous avez eu besoin au départ? Il y a eu un gros investissement? Pas du tout. L'initiative du Baby Lab est partie d'une initiative de zéro franc, pour parler en franc ivoirien. Ou en franc CFA aussi. Ou en franc CFA également. Donc, cette initiative est partie d'un constat. Nous avons vu que l'accès au numérique dans les quartiers populaires, surtout à Abobo, est difficile. En mettant en place un Fab Lab à Abobo dans un quartier populaire, nous facilitons l'accès au numérique. Donc c'est pour ça que nous avons mis ce Fab Lab à Abobo. Et comment les populations ont réagi? Ils se sont dit, c'est quoi? C'est bizarre? C'est étrange? Ou alors au contraire, est-ce qu'ils ont été... Ça a été difficile au départ parce que l'initiative n'est pas connue. Donc nous avons mené des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes que nous recevons, auprès des enfants ainsi que leurs parents. Donc nous avons aujourd'hui, au départ nous étions une dizaine, aujourd'hui nous comptons une quarantaine de membres. Oui, parce que vous dispensez aussi des cours, vous faites des sortes de mini-stages de sensibilisation pour les jeunes. Oui, du code informatique, à travers par exemple l'initiative Africa Code Week, donc je suis un des ambassadeurs pour la Côte d'Ivoire. Nous avons initié autour de 40 000 enfants en Côte d'Ivoire il y a quelques mois au code informatique. Donc ça illustre au fait d'un programme KidLab que nous avons initié nous-mêmes,
qui est un programme d'aide d'initiation au code informatique et au bricolage électronique pour les enfants de 8 à 15 ans.